Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du drame qui s'est produit au concert de Fally Ipupa à Kinshasa, concert pendant lequel plusieurs personnes ont perdu la vie. Nous vous donnerons plus de détails après le générique. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Top, c'est parti! Drame au concert de Fally Ipupa, la police annonce des poursuites judiciaires et l'artiste réagit. Le grand artiste de la rumba congolaise Fally Ipupa a réalisé l'exploit de remplir le stade des martyrs de Kinshasa avec plus de 80 000 personnes samedi dernier lors de son concert géant. Malheureusement, la fin du concert a viré au drame. 11 personnes, dont 2 membres des forces de l'ordre, ont perdu la vie suite à une bousculade. Les autorités annoncent alors des poursuites judiciaires contre l'artiste. D'après nos informations, ce qui s'est passé est la conséquence du comportement de l'organisation. La police, le stade et l'organisateur s'étaient entendus sur un certain pourcentage au sujet du nombre de personnes qui devraient accéder au stade. L'organisateur est allé au-delà de 100%. Les gens étaient étouffés. Personne n'a été frappé, a déclaré Daniel Asselo Okito Wanko, vice-premier ministre, qui prévoit une action en justice. Ça doit cesser. L'organisateur doit être puni. Il sera recherché, arrêté et sanctionné. Il doit se présenter de lui-même pour s'expliquer, a alors déclaré le vice-premier ministre de la justice, qui a félicité les agents de la police nationale dont il loue le professionnalisme. En effet, ces derniers, bien que débordés par une foule immense, n'ont pas osé faire usage des grenades lacrymogènes. Après plusieurs heures de silence et d'observation, l'artiste congolais s'est exprimé sur le réseau social Facebook et s'est laissé aller à ses émotions. Il a d'abord déploré qu'en dépit des mesures arrêtées, un tel drame a pu avoir lieu. Ainsi, il affirme, malgré toutes les dispositions prises pour le strict respect des consignes de sécurité, des incidents malheureux et dramatiques ont émaillé à la fin du concert. Je suis profondément consterné et je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles. Que Dieu, dans sa profonde miséricorde, console les cœurs meurtris, a ainsi lâché l'artiste sur sa page Facebook. Merci d'avoir regardé la vidéo et adressons tous également une petite prière pour le repos de l'âme de ses victimes. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu pour nous soutenir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Nous vous disons à très bientôt.